Bon, je vous refais un petit tuto sur la pose longue comme ça, vite fait, pour vous montrer que c'est super facile. Il n'y a pas besoin de faire une dissertation là-dessus. Allez, je vous montre. Donc, je suis en mode A, priorité ouverture. Je me suis mis à F11 parce que c'est pas mal pour le paysage. Enfin bon, voilà, je vais. On part là-dessus, c'est pas le but du jeu. La profondeur de champ, F11, c'est bien. J'ai là le 28-75. Le filtre, c'est un ND1000. Donc, il assombrit en fait de 10 diaphs. Voilà. Alors, 10 stops, 10 diaphs. Pour faire entrer moins de lumière. Donc, vous voyez. Alors, il faut que je rappuie là-dessus. En mode A, donc sans le filtre. Il me dit à F11, il calcule une vitesse d'obturation de 1/160e de seconde. Je suis à ISO 200. J'ai fait ma mise au point. Je vous montrerai le cadrage. Peu importe, ça c'est pas le but du jeu. On s'en fout un peu. C'est sombre. Voilà. Hop là. En fait, on verra peut-être mieux. Voilà, comme ça. Voilà, mon cadrage. Je vais faire une pose longue avec ce cadrage-là, comme ça. Bon, il y a un petit peu de vent, donc du coup les branches des arbres, ça risque d'être un petit peu flou. Mais bon, c'est juste pour vous montrer. Le but du jeu, c'est pas ça. J'ai fait ma mise au point. Je suis passé en auto. Enfin, j'ai enlevé l'autofocus. Hein, je suis en focus manuel. Parce qu'autrement, quand je vais mettre le filtre, parce que vous voyez le filtre, eh ben, il est noir de chez noir. Quand je vais mettre le filtre, il ne pourra pas faire la mise au point. Donc là, j'ai fait ma mise au point avec l'autofocus. Et je l'ai passé en manuel. Donc vous vous rappelez un truc, il faut juste se rappeler, F11 160, vous mettez le filtre, on visse le filtre, tic tac tic tac tic tac, hop hop hop, voilà, je passe en mode manuel, alors on tourne, clic, ouais, je remets mes F11 160. Il n'y a pas besoin de calculatrice, il n'y a pas besoin d'application, il n'y a pas besoin d'écrire un livre là-dessus. Mon filtre ND1000, en fait, donc il assombrit de 10 diaphragmes. Quand vous faites un cran avec votre petite molette, alors chez Canon c'est au-dessus, je ne sais pas, enfin on verra, et moi c'est du Nikon. Quand en fait vous décalez votre vitesse, donc moi avec la vitesse c'est ici hein, où j'ai le pouce. Quand vous les décalez d'un cran, c'est un tiers de diaph. Moi, il me faut que je décale de 10 diaphragmes. Donc, par cran de 1 tiers, il faut que je fasse 10, bah, 10 crans. Si je fais ça, 1, 2, 3, ça c'est un diaph. Et donc, je compte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29 et 30. Voilà. Là, j'ai fait 10 diaphs. 30 fois 1 tiers, ça fait 10. Et donc je me suis mis en, comment on appelle ça, retard, non, je me suis pas mis en retardateur, je vais me mettre en retardateur, c'est juste pour pas quand je, parce que quand je vais appuyer, autrement ça va faire bouger, j'ai pas ma télécommande, enfin je l'ai, mais je l'ai pas sorti parce que je suis une feignasse. Sur certains appareils, vous pouvez fermer le, comment dire, derrière, là, au niveau de l'oculaire, c'est pour éviter que le soleil rentre par derrière, comme ça. Là, le soleil, eh ben, il n'y en a pas, en plus il est par là. Donc il n'y a aucune chance qu'il rentre par derrière de l'appareil photo. Donc je n'ai pas mis le petit truc. Je le mets jamais. Ou alors je mets ma main si vraiment il arrive par derrière. Mais c'est plutôt assez rare que je fasse des photos quand il fait soleil. Donc du coup, on a bien mis F11 6 secondes. J'appuie, ça fait bip 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 parce que j'ai le retardateur. Donc ça fait, on attend 6 secondes, c'est pas très long. Voilà, on attend, on attend, on attend. Voilà, 6 secondes, c'est fait. On regarde la photo. Alors, ça fait quoi? Eh ben, ça fait une pose longue. Voilà. Admettons que vous vouliez que ce soit plus lissé au niveau de l'eau, par exemple. 5 secondes, là, c'est pas beaucoup. C'est un exemple. C'est-à-dire que vous voulez rallonger le temps de pose. Ben, en fait, en photo, il y a 3 paramètres. Il n'y en a pas 50, il y en a 3. Le temps de pose, l'ouverture, donc le temps de pose c'est ce que vous voyez ici, hein, les 6 secondes, l'ouverture c'est F11, et les ISO, si j'appuie sur le petit bouton, je suis à ISO 200.
Admettons que vous vouliez faire une pause de 12 secondes parce que vous en avez envie. Enfin bon, je sais pas, on va voir. Donc je rallonge mon temps de pause, perdu dans l'autre sens, pour lisser un petit peu plus l'eau par exemple. De, ben, je sais pas, deux, trois. Allez, donc 13 secondes. Je vais exposer plus longtemps. Donc ça veut dire qu'il faut que je ferme mon diaphragme d'autant. Donc de 6 à 13, je reviens. Donc de 6, j'ai fait 3, donc 3, 3 crans, donc c'est un diaph, hein. 1, 2, 3, et ben faut que je ferme. Comme je l'expose plus longtemps, je ferme mon diaphragme d'autant. 1, 2 et 3. Je vais avoir exactement la même photo, la même exposition, pardon. Sauf que ben ça va être exposé plus longtemps. Donc, ce que j'ai bougé, je reprends. Hein, parce que c'est toujours là que les gens s'embrouillent un petit peu. Donc j'étais à 6 secondes tout à l'heure. Hein. Oups, pardon. J'étais à 6 secondes F11. D'accord? Donc j'avais ma photo exposée comme je vous ai montré sur l'arrière du petit truc. Et si j'augmente mon temps de pause, donc 1, 2, 3, donc d'un diaph, et ben je ferme d'autant. 1, oups, pardon, je vous remonte. 1, 2, 3, on renvoie le truc, hop, avec la petite tempo. Ben là, du coup, on va attendre 13 secondes. Pardon, j'ai bougé un petit peu vite. Je remonte le paysage en attendant. Voilà. J'attends, j'attends, j'attends. 13 secondes. Voilà, c'est fait. J'ai entendu le clac. On regarde ce que ça a fait. Bah, ça a fait exactement la même photo, sauf que on voit pas tellement là. Même moi, je vois pas trop. Hein. Sauf que, ouais, c'est un peu plus clair. La lumière a dû changer un petit peu. Sauf que là, bah, on voit l'eau est plus lissée. Donc là, j'étais à 6 secondes F11. Voilà, on voit l'histogramme et c'est un peu plus clair. Et là, je suis à 13 secondes F16. Et puis voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si je monte les ISO, je veux faire une pause plus courte, par exemple. Ouais, allez, je veux faire une pause plus courte. Donc on se remet comme on était tout à l'heure. À 6 secondes. Hop, 6 secondes F11. Oh, pardon, décidément. Allez, 6 secondes F11. Je suis à 200 ISO. Hein. Donc, si je veux faire une pause de 3 secondes, je vais vous montrer en jouant sur les ISO en fait. Donc, si je fais une pause de 3 secondes, 1, 2, 3, donc je divisais mon temps par 2, et bien ce que je peux faire aussi, c'est monter mes ISO. Quand on double les ISO, alors c'est chiant parce que d'une main, c'est vraiment pas pratique. Mais je vais essayer de vous le faire quand même. Donc là, je suis à 200. Il va falloir me croire sur parole. Je vais passer à, hop, à 400. Donc de 200 à 400, ça fait pareil, ça fait 3 crans. Là, j'y arrive pas d'une main, c'est pénible. Voilà, donc je suis passé à 400 ISO. J'ai doublé mes ISO, j'ai diminué mon temps par 2, puis je renvoie. Puis vous allez voir, ça fait pareil. Donc toujours les trois paramètres, le temps d'exposition, l'ouverture, les 3 secondes c'est plus court, et les ISO. On regarde ce que ça fait. Ah, voilà, hop là, je vais vous remettre en grand. Voilà, donc là, je vous mens pas, je suis passé à 3 secondes, hein, ce qu'on voit là ici, le 3, F11, et les ISO 400. Tout à l'heure, j'étais à 6 secondes, là j'étais. Donc on obtient exactement les mêmes photos. Voilà, la lumière a changé là. Là j'étais à 6 secondes 200 ISO. Et là je suis à 3 secondes 400 ISO. On voit bien que c'est la même chose. Donc toujours ces trois paramètres. Quand vous jouez sur un dans un sens, vous jouez sur l'autre. Dans l'autre sens. Et puis voilà, c'est tout.